Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci petit changement de format. D'habitude vous aviez 5 vidéos, donc une vidéo présentation générale et après les vidéos animes. Là cette fois-ci il y aura juste les 4 vidéos animations avec à l'intérieur du coup les présentations des box, on a trouvé ça un petit peu plus cohérent. Vous nous direz ce que vous en pensez, personnellement je pense que quand même c'est beaucoup mieux. Donc là on va passer directement sur la box médium du mois de mai, une box vraiment sympathique, je pense que vous le saviez tous, elle était spéciale Savage Gear. Donc Savage Gear, je vais pas vous présenter la marque, tout le monde connaît, marque très connue principalement pour la pêche du brochet. Donc là en plus ça allait bien avec l'ouverture carnassier. On vous a concocté vraiment une box très sympa. Avant de passer à la présentation, juste une petite annonce, la box du mois de juin médium sera spéciale Westin, donc 100% Westin, 100% brochet aussi. Westin est aussi connu pour ça, donc ça va vraiment vous faire une box bien sympa. Je connais déjà le contenu de la box du mois de juin, bien évidemment je vous le dirai pas. Elle est au moins aussi sympa, voire plus sympa que la box Savage, il y a vraiment des leurres de fou furieux dedans. Autre petite annonce, oui, j'enchaîne pas mal. À l'intérieur, vous avez le flyer comme d'habitude. Cette fois-ci, changement. Le code promo pour le e-shop, c'est moins 40% cette fois-ci. Je pense pas que vous trouverez mieux ailleurs. Donc, c'est à l'arrière du flyer. Vous avez 40% sur le e-shop. Le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et maintenant, on va enchaîner directement avec la présentation des produits du coup de la box Savage Gear du mois de mai. Premier produit, tout simplement, nous avions... alors, j'ai pas le nom précis. Alors, c'est le LB Roach Swim & Jerk 10 cm de chez Savage. Donc, c'est une sorte de petit swim en souple. Donc, articulé avec une queue qui se finit tout simplement un peu comme un poisson. Que vous allez pouvoir monter de différentes façons, principalement avec une tête plombée classique. Donc, vraiment avec un coloris Roach qui marche vraiment très bien. En deuxième produit, vous aviez, je pense, à peu près le même, et je pense que vous le verrez, c'est pas tout simplement la même queue. Donc là, c'est une queue de shad. Et donc là, c'est le LB Roach Paddle Tail en 10 cm. Même coloris, mais avec une queue de shad, donc pour deux utilisations différentes. Donc là, ça va vraiment dépasser beaucoup plus d'eau, plus pour des pêches assez rapides. Et là, pour des pêches un petit peu plus lentes, ça va déplacer moins d'eau, sera un petit peu plus finesse. Je vais bien dire un petit peu plus. Donc vraiment, deux utilisations un petit peu différentes qui peuvent bien se compléter. Troisième produit, je pense, le plus sympa de la box, c'est tout simplement la 4D perche de chez Savage Gear. Je pense que Savage Gear est principalement connu justement pour ses produits 3D, 4D, donc là on est passé au 4D. Est-ce qu'ils vont nous faire le 5D pour l'année prochaine? Je ne sais pas. Donc là, avec un magnifique coloris perche, mais un petit peu exagéré, déjà pré-monté, pré-plombé, vous avez juste à tout simplement accrocher à votre ligne et à pêcher avec. Pour la pêche, donc principalement du brochet, même si vous pouvez faire de la perche, du sand avec, mais ça va vraiment clairement viser le brochet. C'est du tout en un, c'est du tout fait, vous avez juste à le prendre, à le lancer, ça prend vraiment du poisson. Savage Gear sont vraiment très connus pour ces leurres-là, donc là-dessus, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Le quatrième produit, je pense, c'est le produit le plus connu de chez Savage Gear, c'est tout simplement le 4Play. Donc là, dans un coloris un petit peu gris, c'est le Dirty Silver. Donc là, dans sa finition Swim & Jerk, parce qu'il y a différents types de finitions au niveau des 4Play. Donc là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de bavette, c'est vraiment un swim bait dans une taille un petit peu passe-partout, donc 13 cm qui va vous permettre après tout simplement de prendre du brochet, de la perche, du sang, principalement brochet. C'est-à-dire, c'est une box qui était vraiment ciblée brochet pour l'ouverture carnassier. Donc le 4Play, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un leurre qui est reconnu depuis de très nombreuses années vraiment et qui a pris énormément de brochets partout en France et partout dans le monde. Donc vraiment un super produit. Et ensuite, le dernier produit, un produit vraiment différent, c'est le SG Ribworm en 11 cm. Donc en gros, c'est un worm avec une queue de grub, donc vraiment pour une pêche finesse, donc qui va bien compléter le reste. Si avec le reste, vous n'avez pas de résultat, je vous invite vraiment à mettre ce type de produit-là, avec une TP classique, avec un Texan, pour pouvoir pêcher très lentement, proche du fond, sur des zones où vous savez qu'il y a du poisson pour insister. Ça sera vraiment le type de produit que vous allez pouvoir utiliser pour les pêches plus lentes et quand les poissons sont pas actifs avec les autres produits. Au niveau de cette box-là, j'en ai fini. On vous a pas mis de tête plombée à l'intérieur, tout simplement, c'était le choix. C'était soit on vous mettait un paquet de TP, il y avait moins de leurres, soit on vous mettait pas de paquet de TP, mais il y avait plus de leurres. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'avec tous les produits que vous avez là, la taille d'hameçon, c'est du 3-0. Vous prenez du 3-0 en taille d'hameçon et ensuite vous ajustez le grammage en fonction tout simplement de la profondeur à laquelle vous allez pêcher. Donc voilà, j'espère vraiment que cette box médium vous a plu. Maintenant, on va passer directement à la partie animation pour la partie mode d'emploi. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la deuxième partie de la Fisher Box Medium. Donc là, je vais tout simplement vous présenter les différentes animations, les petites astuces qu'il y a pour les produits de la box Medium. Honnêtement, vous allez voir, c'est une box Medium plutôt simple, je trouve. Vraiment accessible au niveau des animations des produits. C'est vraiment pas des trucs très compliqués à animer. On va commencer donc directement par le premier, donc qui est le 3D LB Roach Swim & Jerk. J'ai retenu le nom en 10 cm. Là, je l'ai remis sur une petite TP de 5 grammes avec un hameçon de 3-0, ce qui va parfaitement dessus. Donc pour l'animation, vous allez voir, on va pas se prendre le chou. Alors, hop,
On va faire un bravo lancé. Donc de base, il y a le truc très simple, ce qu'on appelle le cranking ou linéaire. Le vrai mot, c'est plus le cranking, même si bon, même moi j'ai tendance à dire linéaire. Tout simplement, vous lancez, vous ramenez, ça je pense que je voulais quand même pas mal montrer. Variez juste au pire la hauteur de votre canne, ce qui peut faire varier la hauteur de récupération de votre leurre. Et après sinon, ce que j'aime bien faire avec ce type de produit là, bah, vous le laissez couler, vous prenez contact avec le fond, vous mettez des petites tirées, vous le relaissez couler. Hop, des petites tirées. De temps en temps, vous pouvez mettre un petit coup de ramener comme ça. Hop, vous le relaissez couler. Qu'un peu de chance, c'est un poisson, c'est jamais. Hop, vous remettez des petites tirées. Donc plus une animation, plus typée d'anti avec ce type de produit-là, moi personnellement j'aime bien. Après vous allez voir, le deuxième produit justement est complémentaire avec celui-là. Le deuxième produit donc c'était à peu de choses près la même chose, en gros c'est le même corps, c'est juste que là cette fois-ci nous avons une queue de chat, donc c'est le Roach Paddle Tail, toujours de chez Savage. Pour l'animation, vous allez voir c'est vraiment pas compliqué, sur celui-là donc le produit d'avant vous aviez vraiment une queue, bah, en gros un swim bait, là vous avez une queue de chat. Donc vous allez voir la petite différence justement, c'est que celui-là je vais la ramener plus rapidement, plus faire des pêches rapides avec celui-là. Hop, donc on va lancer, là je vais quand même laisser prendre contact avec le fond, parce qu'il y a quand même apparemment pas mal de fond dans ce lac-là. Ouais, il doit y avoir un bon petit 2 mètres, là je suis en 7 grammes sur celui-là. Et ensuite, hop, en cranking tout simplement. Et ce que vous pouvez faire un petit peu comme l'autre, vous le laissez couler au fond. Hop, on est au fond, ma bannière s'est détendue. On ramène, avec une petite accélération des fois, ça peut aider un poisson qui est un peu suiveur. On peut refaire une petite pause en arrivant en bord. Là vous voyez ma bannière coule, hop, là la bannière s'est détendue. Là je suis arrivé sur le fond, là je reprends. Et on le voit arriver, ça nage vraiment super bien. On va refaire un deuxième petit lancer au cas où. On va lancer là-bas. Hop. On va se laisser couler sur le fond. Donc là, je coule. Hop, je suis au fond. On va faire une petite tirée. Et on le ramène en linéaire. Donc là, cette fois-ci, je vais faire du cranking un petit peu plus lent. L'avantage, c'est qu'il s'anime quand même relativement à faible vitesse, ce leurre-là. Donc là, même en faisant très lentement, le leurre va nager. Là, en plus, vu que je suis en 7 grammes, je vais rester très proche du fond. Donc on sait jamais s'il y avait un ami broché ou quelque chose dans le genre qui traînait sur le fond. On va essayer de ramener comme ça jusqu'au bord tranquillement. Donc voilà, une animation vraiment pas compliquée pour ce produit là je pense que c'est vraiment à peu près le plus polyvalent qui vous permettra de pêcher un peu de tout. On passe directement sur le troisième produit. Le troisième produit, personnellement, c'est vraiment mon préféré. Je pense que c'est celui qui représente le mieux la marque Savage Gear. C'est la 4D Perche. Donc là, en plus, dans une petite taille, forcément adaptée à la box medium, ça existe en beaucoup plus gros. Là, avec un coloris que je trouve magnifique, c'est un sort de coloris perche, mais bien exagéré. Un hameçon rouge, logiquement, pour faire un petit signal sang et permettre au poisson, logiquement, de mieux cibler son attaque directement sur le triple. Alors, après, est-ce que c'est gadget ou pas, en tout cas, c'est toujours un petit plus. Mais vraiment, un leurre très, très, très joli qui est donc déjà armé, plombé. Vous avez juste à l'accrocher à votre ligne et à jeter. Au niveau de l'animation, vous allez voir, bah, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, la box medium, je pense que c'est l'une des boxes les plus simples qu'on ait faites, avec pourtant des produits vraiment sympas dedans, mais ça s'anime tout seul. Donc là en plus ça va se jeter bien loin, on fait un lancer, et donc là avec ça c'est pas compliqué, c'est du cranking, du lancer ramené en linéaire, c'est comme ça que ça pêche honnêtement. Alors après ce que vous pouvez faire, c'est laisser couler plus ou moins longtemps si vous voulez peigner une profondeur d'eau plus ou moins grande, mais honnêtement, l'animation cranking toute bête, c'est vraiment ce qui va bien marcher avec ce type de produit là. Un produit très simple à animer qui je pense vous permettra de prendre pas mal de brochets, surtout sur une taille plutôt polyvalente, bah, qui va permettre même de prendre des petits brochets de 30-40 cm. Pour vous amuser, on va passer directement au quatrième produit. Le quatrième produit, sûrement le plus connu de toute la gamme Savage Gear, le 4Play, donc là en version swim and jerk, donc sans bavette. Un swim bait là en taille 13 cm pour aller bien évidemment avec la box medium, ça existe en beaucoup plus gros. Si vous débutez la pêche, je pense que ça fait partie des indispensables vraiment à avoir dans sa boîte. C'est très vieux, ça a pris beaucoup de poissons et au niveau de l'animation, c'est pas compliqué. Là, il y a quand même une petite variation qu'on va pouvoir faire avec celui-là que je trouve vraiment très sympa. Donc, hop, on va faire un lancer. Donc, le premier, comme d'habitude, dans cette box medium, c'est tout simplement du lancer ramené en linéaire. Particularité, le leurre coule. Donc, si vous voulez, pareil, prospecter des profondeurs d'eau un petit peu plus importantes, laissez-le couler un petit temps. Et ensuite, ce que j'aime vraiment bien faire avec lui, c'est simplement mettre des petites tirées. Et en fait, à chaque tirée, quand vous allez le voir nager, vous allez voir, il va montrer ses flancs. Là en plus c'est un coloris Dirty Silver, donc qui a des flancs très argentés. Et dès que vous allez mettre des petites tirées, le leurre va se mettre à briller. Quelques petites tirées, le leurre va se désaxer. Hop, vous le ramenez en linéaire. Faites une pause. Une ou deux petites tirées. Donc soit vous pouvez pêcher vraiment très rapidement en faisant du lancer ramené en linéaire, soit vous pouvez vraiment pêcher très lentement en faisant comme je vous montre, c'est-à-dire des toutes petites tirées. Et de temps en temps, vous mettez un petit coup de linéaire. Hop, et là en plus on le voit arriver. Alors pas par contre, c'est un leurre qui nage de base juste sous la surface. Donc si vous voulez peigner un petit peu plus profondément, faut vraiment pas hésiter à le laisser couler, à pêcher très lentement avec et à faire de longues pauses pour lui laisser à chaque fois le temps de redescendre dans la couche d'eau. Mais c'est vraiment un leurre, je pense que vous allez le voir, quand vous allez le voir nager à vos pieds, vous allez comprendre. Ça nage tout seul, ça nage vraiment tout seul.
On va finir de le ramener en linéaire. Et je pense que en fait on dirait un espèce de petit serpent en fait qui nage. Ça nage vraiment super bien. Donc là en plus pour les pêches d'été, ça va juste être parfait. Donc c'en est tout pour ce quatrième produit, vraiment un produit très simple qui je pense devrait vous rapporter pas mal de perches, de brochets, principalement du brochet, ça va vraiment être très sympa. On va passer directement sur le dernier produit. Dernier produit, le rig ou le rib worm, j'ai un petit doute mais ça s'affichera, de chez Savage. Donc là en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est un worm croisé slug qui va vraiment permettre de faire des pêches très 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 lentes. On va faire un petit lancer. Donc là je l'ai monté sur une TP de 5 grammes, toujours avec un hameçon de 3-0. Là tous les leurs soupes que vous avez dans la box avec du 3-0, ça passe super bien. Donc là je vais vraiment me laisser couler au fond. Hop, là je suis au fond et je vais la ramener tout doucement. Et donc vu que c'est une queue de grub, qui en plus est assez allongée, enfin, vous allez voir, la moindre petite animation dans votre moulinet ou dans votre canne, le leurre va se mettre à nager. Donc moi ce que j'aime vraiment faire c'est le ramener tout doucement au-dessus du fond, vraiment à 2 à l'heure. Là, oui. En plus j'ai un moulinet qui récupère assez vite celui-là. Donc là je mouline vraiment tout doucement. Et pour savoir si on est au fond, de temps en temps, hop, on se relaisse poser. Là vous voyez, je suis vraiment juste au-dessus du fond. Ma bannière s'est descendue directement. Donc de temps en temps, au pire, ce que vous pouvez faire, vous faites une petite pause sur le fond. Et pourquoi pas, hop, 2-3 petites tirées, vous le relaissez se poser. Et ainsi de suite. Mais sinon vraiment une animation très lente au-dessus du fond, ça peut très bien marcher. Ou sinon si vous avez des herbiers, vous pouvez le monter en texan et passer au milieu des herbiers. Ça peut vraiment être très sympa aussi sur du bass, par exemple. Mais voilà, vraiment un produit aussi très simple qui vous permettra de pêcher avec plein de techniques différentes. Là, je vous montre vraiment une technique. Mais c'est pareil, c'est un produit qui est super polyvalent et qui vous permettra de faire absolument tout. Donc au niveau, écoutez, de cette box medium, je pense qu'on en a fait le tour. Personnellement, moi, je la trouve vraiment sympathique. Comme je vous dis dans la première partie, en plus, le mois prochain, vous avez la box Westin qui, honnêtement, est peut-être même encore mieux que celle-là. Vraiment une box super super remplie. La Savage Gear, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez des produits que vous avez aimés, d'autres que vous n'avez pas aimés, et si vous avez des questions, des améliorations, comme d'habitude on est là pour ça. Et moi là-dessus je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.